L'étude vise à mesurer les effets du rationnement de l'apport du concentré pour des brebis en bergerie. L'idée, c'est de ne soigner qu'une seule fois par jour afin d'alléger le travail. Pour cela, nous réalisons un essai répété une fois, comprenant deux lots de brebis allaitant deux agneaux. Il y a un lot qui reçoit plus d'un kilo de concentré en une seule fois par jour, tandis que l'autre lot en deux fois, c'est-à-dire la moitié le matin et l'autre moitié le soir. Dans le cadre de cet essai, sur le fractionnement du concentré sur des brebis allaitantes, on mesure le pH ruminal sur l'ensemble des animaux. Toutes les brebis qui font partie de l'essai sont mesurées. On mesure tout d'abord le pH avant la distribution du concentré, puis 4 heures après la distribution du concentré. Sur l'ensemble des animaux, on enregistre également s'il y a des problèmes sanitaires, notamment liés à des problèmes d'acidose. On enregistre le comportement des animaux sur 8 heures d'observation. On enregistre également les performances des animaux, que ce soit tout d'abord sur les agneaux, donc les croissances, les consommations en aliments. Et ensuite, sur les brebis, les états corporels sont notés et les évolutions sont enregistrées. Les consommations de fourrage sont enregistrées pour voir s'il y a une différence entre les deux modalités. Il faut noter que cet essai a déjà été réalisé l'année dernière, donc sur le fractionnement du concentré sur des brebis allaitantes. On n'a vu aucune différence, que ce soit sur les performances zootechniques, sur les consommations ou sur les pH ruminal de l'ensemble des brebis des deux lots.